Oh bah, merci Seigneur. Bon, il y a tout qui plante partout, mais c'est pas grave. Le mâle, j'y pète la gueule toujours. Les reptiliens de mes deux, il y en a plein les couilles. Le mâle, je te colle, je te cloue. Paf et paf. Comme ça. Mais quand même, malgré tout, les portes étaient fermées, ils ont dû rentrer par là. Parce que je raconte pas des conneries. Hein. Et je me dis tout ça à la maison. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elles font. Bon, en général, elles viennent pour manger du grain. Comme ça. Mais elles viennent dormir à la maison. J'en ai rien à foutre qu'ils chient partout. Je bats les couilles. C'est comme des anges du ciel. Ça vole. Tu vois? Je mets le plus de films que j'ai pu. Si je mets un tout lit froid, je fais tout mieux que je pouvais. Il est passé 2 h du mat. Je suis quand même crevé. J'ai envoyé tout ce qui a pu marcher. Mais je me suis repris à je sais pas combien de fois. C'est de plus en plus dur de se connecter. Putain, la Gestapo locale de la CIA, du Facebook CIA, là. Bilderberg, je t'emmerde, Rothschild, je t'encule et je vous pète tous la gueule. Les blindés de thunes, les oligarchies, tout ça, c'est de la merde. Coup de boule, coup de boule. Pas besoin de Kalachnikov, pas besoin d'armes, pas besoin de machin nucléaire. Les reptiliens, faut les niquer, faut les niquer. Voilà, pas compliqué. Ouais, moi je m'en fous, deux petits machins, ils sont là. C'est des anges du ciel. S'ils viennent dormir à ma maison, eh ben, ça doit pas être pour rien. C'est l'esprit des oiseaux, du peuple des oiseaux. Tout prenez un beignet. Vous. Tout a une âme, tout ce qui est vivant a une âme. Il y a un esprit d'ensemble. Et vous en avez pas. On vous a formaté comme de la merde. Ça, c'est les putains de reptiliens de mes couilles. Pas faire tout un exposé, mais aujourd'hui c'est une super journée. Le yoga le matin, sophrologie l'après-midi. Tu rentres dans toi et tout. Et c'est des humains en fait, tous les gens qui ont des problèmes d'addiction. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. J'ai dit, ben, c'est la souffrance de l'âme. On n'apprend pas l'âme à l'école. On n'apprend que de la merde. Un CAP d'il y a 20 ans ou 30 ans, il voit un bac plus 8 de maintenant, sans déconner. Le ministère de l'Inéducation nationale. C'est de la merde. L'arrête-là, telle connerie là. C'est l'autocollant sur ma guitare. Pas content, le gros. Et même pas bourré en plus. Mais pas content quand même. Tu vois? Moi, tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. Déjà, je suis non imposable, je suis non solvable, et en plus, je t'emmerde. Et s'ils veulent Macron en boîte, ça sera Rothschild. Lui, je pète la gueule si je le vois. Petit pédé, là. C'est comme à l'époque de. Comment il s'appelle l'autre? C'est pas Escrozzi, mais c'était Sarkozy. Ah ouais? T'as échangé la technologie contre ton âme. Un Dark va dehors. Ah ouais. Péter la gueule, moi. Tu vois, ça va pas traîner. Hein. Enfin, nous étions donc. Maintenant, c'est mercredi, ils sont en dos. En cette 6e semaine de réveil de l'esprit, qui sommeille en vous. Les 90% du cerveau qui vous servent à que dalle. Ben voilà, ça a mis longtemps à marcher, même la caméra. Oh là là, compliqué. Faut faire un truc de fou pour arriver à se connecter et tout. Faut se compliquer la tête de pire en pire. Mais t'arrives à passer, tu les emmerdes. C'est des connards. C'est des numériques. Ils t'en ont à foutre des numériques. Tout. Pisse à l'arrêt. Chie dans la gueule. Salope. Du pouvoir. Le Macron, le Donald, il dégage, le Ruskov, il dégage, même
Le Coran, il dégage, tous, ils dégagent. C'est de la merde. Parce qu'il n'y a pas de dictateur. Si, on a... il y avait l'émission sur le coton. Bon, c'était gentil. C'était pas comme les chercheurs d'or au Burkina Faso. Les gamins, ils ont 16 ans, ils calent dans la mine 18 heures, sans boire, sans manger. Bon, bah, il y en a plein qui remontent pas. Bon, là, c'était du coton. C'est pas Cotton Club, mais. Mais quand même. Oh, bah, c'est pas traçable. Bangladesh, non, non. Non, c'était même pas ça, c'est le Kurbénistan, je sais pas quoi. Bangladesh, c'est la Witret. Bon, enfin, je suis content, j'ai mes bestioles. Moi, je sais pas, je suis content avec mes bestioles. Il commence à fatiguer. C'est vrai qu'il est 2h du mat, il veut le pioncer. Et lui, il faut que j'y coupe encore le bec. Je sais pas si c'est lui que j'avais appelé David Bowie. Moi, qu'il est mort juste après. Mais quand tu coupes le bec du machin, et eh ben après il saigne du nez. Alors faut faire gaffe. Voilà, 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 voilà. Tout ira bien l'espace-temps. On va faire aller comme ça. Envoyé spatial pour t'éternel. À vous connaît que j'ai pas, mais c'est pas grave. On attend le film de demain.